Nous avons la ferme volonté d'obtenir qu'ils aient, eux, la considération, la dignité d'un être humain. Chaque être humain éprouve le besoin de travailler pour faire quelque chose d'utile. Comme l'a dit mon camarade Mercier, il y a des modifications dans quelques professions que ce soit, car si l'on parle des OS de fabrication, on peut bien aussi considérer que l'on tente à prendre les employés également pour des OS. Et il y a une définition théorique qui vient de l'INSEE, qui est de dire que l'OS est un travailleur manuel, salarié, qui occupe un poste qui nécessite une simple mise au courant et non pas une formation ni un apprentissage. Alors il est évident que c'est une définition théorique qui correspond, à notre avis, de moins en moins à la situation réelle, car on constate de plus en plus que l'OS à une tâche qui n'est pas strictement répétitive, qui est une tâche de régulation par rapport au système de production. Il y a maintenant un problème très grave, c'est-à-dire qui se manifeste par des grèves, qui se manifeste par un absentéisme très important, une rotation du personnel très importante dans ces entreprises de grande production, de production de masse. Et il va falloir maintenant absolument trouver d'autres modes d'organisation du travail, assez en contradiction avec les règles classiques issues du taylorisme. Et c'est un effort d'imagination très important qu'il va falloir faire, mais très urgent, car ce problème touche l'ensemble des pays industrialisés et prend une ampleur actuelle qui est très grave et très importante et à juste titre.